Je suis le professeur et je vais regarder où en sont les devoirs rendus par mes élèves, notamment de la classe Charmille, à qui j'ai remis donc un DS d'anglais. Je viens ici, lorsque je clique sur devoirs, je viens sur un tableau de bord de gestion de devoirs. Je vois que les deux élèves de ma classe ont bien reçu ce devoir-là et que Mademoiselle Fournier-Clémence me l'a remis et qu'elle attend la note ici à lui remettre. Pour venir corriger son devoir, je clique sur son devoir. J'attends qu'il se charge. Je vois ce qu'elle a rempli en rouge. Je vois également sa composition. Je peux lui faire quelques commentaires, comme par exemple, attention à votre syntaxe. Je peux donc choisir de lui donner une note. S'il est très bon, on va dire qu'elle a 18. Et je clique sur retourner. J'ai donc une petite coche verte qui s'affiche, d'accord ? Et Mademoiselle Fournier, nous le verrons après, verra sa note s'afficher dans son propre tableau de bord. J'ai un petit onglet ici qui me permet de passer d'un devoir à l'autre. Je vois que Monsieur Messier n'a rien fichu en anglais. On espère qu'il fait autre chose ailleurs dans d'autres matières. Et la dernière chose à savoir, c'est que vous pouvez afficher ici la chronologie du circuit du document. Il a été attribué le 27 mars à 15h26, consulté à 15h27, remis à 15h31, élève efficace, sérieuse, et noté, retourné à 15h32.